janvier 2010, tremblement t'est passé. Il secouait Port-au-Prince à Campilleville, sans couler mon vélé, qu'a écrasé mon vie, sa quinquant vie tout pays vini porter secours. Haïti dit merci. Vos oyons quittez nous, y'a la vie au camp, le soleil nous blessé, mais nous tâche sang. Haïti pas crié, mais des femmes sous. Haïti ou pas péri, c'est femme Dieu avec nous. N'a pas célébré jodi à semaine ça nous met dit un anniversaire qui bouleverse nous en pile, qui rend nous tristes. Nous toutes, pas besoin de rentrer dans le détail, nous songer gros goudou goudou, gros tremblement de terre qui était fait en Haïti il y a 5 ans de ça, qui était provoqué plus de entre 100 à 300 000 monde qui mourit. Et puis plus de 1 million de monde qui paie du caillou, qui est obligé à arrêter en bas de tente. Mes amis, histoire d'Haïti par jamais une calamité qui a une dimension ça, qui fait que souvenir ça a déjà fait une frémie. En même temps tout, événement passé déjà, n'a dit bon Dieu merci,
que gen an pil moun ki an repons a evenman sa, an pil Ayisyen, ki devoué pou sekouri moun ki te blese yo. Nou met di tou ke sa a prodwi yon repons dan le moun antye ki te vreman inkomparable ke ed Ayiti resevwa nan mouman sa, se yon ed konsiderable de la part des Etats-Unis, de la part de preske tou les pays du monde. Moun kouri vin sekouri nou. Et se pou nou di, bon Dieu, merci pou sa. An nou sonje tou ke veritable test que valeur, caractère au monde, c'est pas le tout bagaille à marcher bien, loi vivre dans le confort, mais c'est précisément dans les moments difficiles qu'on montre caractère. Frère Tsemoyo, en face événement ça, Piga nous précédit comme quoi c'est bon Dieu qui a puni, parce que ces phénomènes ça sont phénomènes géologiques naturels, d'après position, gain des. Ça veut dire des failles en bas terre, c'est eux qui provoquaient tremblement de terre. Et nous connaissons que chaque mois, chaque semaine, il y a plus de 100 tremblements de terre qui fait dans le monde entier. Mais il y a des pays qui sont susceptibles plus aucun tremblement de terre, tant qu'au pays Caraïbes, tant qu'au Chili, avec leur région du monde. Vraiment, la leçon nous devons prendre dans ça, c'est que terre, côté n'a vivant, quel que soit côté, sont qui fragile et n'importe qui moment en calamité qui frappé n'importe qui pays dans le monde. Toute grande ville dans le monde y a péri et y a crasé. Jérusalem était déjà un gros tremblement de terre. Rome, Paris, Londres, tout gros pays y a subi des gros tremblements de terre. En 1906, San Francisco était détruit par un tremblement de terre. Ce n'est pas un phénomène absolument inouï ou inconnu. Donc c'est pour nous toujours penser que tel côté d'un vivant fragile et n'importe qui moment, quel que soit côté hier, que Capgon calamité qui détruit pays. Que nous vivons sur terre fragile, en terre provisoire. Et c'est pour nous profiter de moments ça et tout pour nous gagner plus de sagesse, pour ne pas vivre tant que monde fou. Parce que n'importe qui là, nous avons gagné pour nous rendre compte de vie nous. En même temps, tout le temps pour que nous réfléchissions. Après tremblement de terre, là, on va dire après 5 ans, qui progrès qui fait. Bon, il y a des progrès qui fait. Mais en même temps, toute aide étrangère là, vient concentrer sur une aide immédiate. C'est que, ou brancasser nos soins, voilà. C'est déjà un grand service. Jean cassé, ok. Yo, soin, bail ou grand bouge aujourd'hui, n'a pas mangé. Ou soif, n'a pas de l'eau. Tout ça, c'est bon. Mais le temps comme nation pour nous, ouais, pour que nous aller au bien permanent, en ce sens que ça est nécessaire pour le développement pays. Premièrement, l'agriculture. Très souvent, les gens qui viennent aider, ils ont besoin de manger, mais ils n'ont pas aidé en pile le développement agriculture, bloquer érosion terre, sauver terre, replanter pied-bois, parce que n'a subi un problème terrible de déboissement en Haïti. Donc, c'est une priorité. Deuxième priorité, ou même première priorité, au même niveau, tout, c'est l'éducation. Ça va suffire pour bâtir avec l'école. Entendez, dernier gouvernement a rebâti 400 l'école, mais il y a 300, plus de 2000 l'école qui étaient écrasées dans le tremblement de terre. Là. Que fait? Ben, c'est pas bâti l'école, mais c'est bâti professeur, éducation, développer compétences dans le pays. Parce qu'à chaque fois que je fais, on est obligé à chercher des compétences qui sont à l'étranger, développer l'éducation, et en même temps songer que la compétence ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui sont compétents, mais au vicieux et au volet. C'est caractère, mon. Pour apprendre mon nom, dévoué pour le peuple, pour passer par poche par la tête par seulement à changer, mais pour changer bien commun, bien pays. Et ça, développer, c'est une qualité supérieure. C'est ça qui rend mon nom vraiment mon tout bon vrai. C'est ça différentiel de bête, de loup, de lion. De chien, de chat, qui a cherché à manger seulement pour être pâle. En même temps, c'est ça qui fait que nous avons besoin de découvrir bon Dieu,
parce que qualité qui est nécessaire pour qu'un monde dévoué, pour oublier de vie, c'est à travers l'Esprit Saint qu'on joigne les. Si on a bâti un pays sans bon Dieu, on a bâti un pays contre l'homme haïtien. Plus nous découvrons bon Dieu dans Jésus-Christ, plus nous avons formé des mondes qui ont caractère, qui ont oublié d'être, qui ont dévoué, qui ont passion pour sa pipovio, et c'est ça qui va assurer véritable croissance pays noir, le développement du caractère par la conversion et par la prière. Et c'est ça que nous souhaitons pour les années qui viennent, pour nous joindre l'autre qualité haïtienne qui passe pochure seulement à songer, mais qui mettait connaissance au service population. C'est pour mon Dieu béni. Voyons qui tenu à la vie.
que soleil nous blesse, fait otage et sang. Haïti pas crié, mais défense. Haïti ou pas péri, ou se forme voyant. Grand Zoyon guide nous, y'a la vie au camp. Que soleil nous blesse, fait otage et sang. Haïti pas crié, mais défense.